Bienvenue à l'événement Mawlid El Nabi 2022. Allah. Evet, bugün Paris'in merkezinde büyük bir katılımla, coşkulu bir şekilde Mevlid-i Nebi'yi kutluyoruz. Bunu özellikle bu salonda yapmak istedik ki Paris'e, Fransa'nın merkezinde çok önemli bir konumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muhammed Mustafa'yı analım istedik. Aujourd'hui nous sommes à la Maison de la Mutualité avec la participation du président des affaires religieuses turques et l'ensemble des représentants de mosquées, des présidents de mosquées et des musulmans de toute la France. C'est un événement important comme chaque année. Une des plus belles organisations au niveau national en France de la commémoration de la naissance du prophète. Vraiment, la salle est remplie. Nous sommes très réjouis du monde que nous avons retrouvé ici. Avec la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, le monde a connu un grand changement. Musulmans d'aujourd'hui, du 21e siècle, nous essayons de faire vivre le prophète, alayhi salatu wassalam, dans nos cœurs. Nous essayons de faire vivre sa sunna dans nos vies. Faire vivre cette vie du prophète, alayhi salatu wassalam, exemplaire à chaque musulman et à chaque musulmane. Il existe aujourd'hui 265 associations d'ITIB sur le territoire français, notamment sur Lyon, Strasbourg, Paris, Bordeaux, Nantes et Marseille. C'était le mois de Rabi al-Awwal. Le trésor d'Amina avait ouvert les yeux dans les ténèbres de la Mecque. On l'attendait depuis des siècles. L'univers entier a salué ce flambeau de lumière. Chers amis, chers frères et sœurs, en tant qu'adepte de la religion musulmane, nous avons l'obligation de connaître notre prophète qui a été envoyé comme miséricorde au monde. L'arrivée au monde de notre prophète est la manifestation de la miséricorde d'Allah Celle Celaluhu. Sa moralité remplie de sagesse et portant les traces du Coran est un guide pour tous les musulmans. Ces messages universels transcendant les époques éclairent le chemin et l'horizon de ceux qui le suivent. Le prophète de l'islam n'a jamais rejeté quiconque en raison de sa croyance ou de son appartenance religieuse. Bugün Fransa'da, Paris'te Peygamber Efendimizin Mevlid-i Nebisi'nin doğumunun seneyi devriyesinde kardeşlerimizle buluşmak, peygamberimizi anmak ve anlamaya, çalışmaya gayret ediyoruz. Biraz önce salonda kalabalık bir insan topluluğu ile karşı karşıya kardeşlerimizle birlikte olmaya gayret ettik. Bu salonda yapmış olduğumuz konuşmada Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri anlatmaya çalıştık. N'oublions pas que c'est la bonté qui changera le monde. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. J'ai beaucoup apprécié le discours du professeur Ali Erbas qui avait centré son allocution sur les valeurs essentielles de notre prophète. Et le fait qu'il ait rappelé aux musulmans de France aujourd'hui ces valeurs et l'essentiel du message du prophète et leur dire qu'ils sont également responsables et ambassadeurs de ces valeurs, pour moi c'était un message très important et très fort. C'est une belle fête, tout d'abord avec le message de miséricorde, le message de notre prophète Aïssalatu Wassalam, qui est un message universel adressé à toute l'humanité, mais aussi cette ambiance festive avec le grand chanteur Maher Zaid qui a rappelé justement les qualités de notre prophète. J'étais assez agréablement surpris par l'organisation méticuleuse de l'événement, la qualité des récitations du Coran, de l'appel à la prière, des chansons de Maher Zaid,
et qui ont donné, je pense, une véritable joie à tous les adultes comme les enfants qui étaient présents. À ces organisateurs, félicitations, parce qu'il est important que des moments forts comme ceux-là puissent bénéficier aux musulmans de France. Assalamu alaikum everyone, Ismail Zain. Just wanted to say thank you to DTIP France and everyone who came out to this beautiful Mawlid al-Nabi event. I'm really honored to be here, really happy, and inshallah, hope to see you again next year and the coming years, inshallah. And inshallah, we have a tour all over France as well. Thank you, assalamu alaikum. J'aimerais remercier DTIP et Dianet pour cette magnifique soirée. C'était incroyable. Pouvoir être là, de pouvoir profiter de ce programme-là, bien sûr, ce ne sera jamais à la hauteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quand même quelque chose de très bien qui a été fait. Une journée vraiment exceptionnelle. Un moment pareil à Paris, franchement, c'était inoubliable. À retenir et à revivre, inchallah. C'était formidable de nous accueillir, DTIP Paris, DTIP France sur Paris, on est à Paris. C'est un truc qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Et j'espère qu'il va y avoir la continuité quoi, de tous les ans pareil, idem. Et en plein Paris ou en plein centre de Paris, ça me fait plaisir en tout cas. Une organisation remarquable. Ça a été pour nous l'occasion de pouvoir tous se réunir. Surtout qu'on n'a pas forcément la possibilité en temps normal avec nos routines. Et j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra continuer comme ça, tous se rassembler. Medina, 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 ton Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. On a beaucoup aimé et on a pu assister au concert de Mahzine qu'on écoute depuis tout petit. L'organisation était bien faite, du début jusqu'à la fin. Il y avait énormément de choses qu'on a appris, qu'on ne sait pas forcément. Merci pour cette organisation. On s'est déplacé exceptionnellement pour l'événement, c'était super. Merci pour l'association DTIB France pour avoir organisé cet événement, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup, Barakallahu fikoum. C'était un très bel événement, franchement on a passé un super moment. On a eu l'occasion de voir Meher Zain, du coup, qu'on voit malheureusement rarement en France, du coup on était très contents de pouvoir le voir. Et alhamdoulilah, franchement c'était une très belle ambiance et il devrait y avoir plus d'événements comme ça en France, ce serait bien. C'est très joli, vous avez bien organisé, vous êtes bien gentil. Nous on a bien aimé, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'année prochaine, on viendrait pour fêter avec vous, Inch'Allah. So much. Jazakumullah khair. May Allah bless you. Kul am antum bikhair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teşekkür ederiz bizler için. Çok sağ olun.